Salam alaikum, bonjour à tout le monde. Dans cette vidéo, je vous propose la version française de la deuxième partie du concours blanc pour la préparation au concours commun pour l'accès aux facultés de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire pour l'année 2021, physique et chimie. Cette deuxième partie sera consacrée à la physique nucléaire. Donc, on va commencer à la barakatuh. Donc, premier exercice, le potassium 40 est radioactif et se désintègre en donnant de l'argon 40. Donc, la demi-vie radioactive du potassium, 1,2 10 à la puissance 9 années. L'analyse d'un caillou linéaire montre la présence du potassium 40 et de l'argon 40. On suppose que l'argon 40 provient uniquement de la désintégration du potassium 40. Donc, à la date T, on relève N du potassium 10 à la puissance 16 et N de l'argon, c'est 3 10 à la puissance 16 noyaux. Donc, première question, le nombre de noyaux initiaux du potassium 40 est. Donc, vous allez réfléchir à cette question et vous choisir parmi ces quatre propositions. Allez-y. Donc, vous allez faire pause de la vidéo et réfléchir un peu à cette question ici. Donc, on va faire la correction. Normalement, le N0, c'est le nombre de noyaux non désintégrés. Donc, le nombre de noyaux non désintégrés, c'est celui de potassium, plus le nombre de noyaux désintégrés. Donc, c'est le nombre de noyaux produits, donc c'est de l'argon. Et donc la somme des deux, ça donc donne 4 10 à la puissance 16 noyaux. Et donc le N0 égale à 4 10 à la puissance 16. Donc la bonne réponse ici, c'est D. Pour la deuxième question, à la date T, le nombre de noyaux désintégrés du potassium est. Donc vous allez réfléchir un peu à l'ici. Donc, on va faire la correction. Normalement, le nombre de noyaux désintégrés du potassium, okay, c'est celui des noyaux produits. Donc, c'est celui de l'argon. Donc, il est égal à 3 10 à la puissance 16 noyaux. Et donc, la bonne réponse ici, c'est C. On demande ici de déterminer l'âge de ce caillou. Donc vous allez réfléchir un peu à cette question ici. Donc on va faire la correction. Donc parmi les astuces pour déterminer l'âge du caillou, c'est cette formule. Vous avez n à l'instant t, bien sûr nk, elle est égale à n0 sur 2 à la puissance n, équivalent que t égale n fois t 1/2. Et l'inverse. Donc, si vous avez l'âge, vous pouvez déterminer le nombre de noyaux à cet instant. Donc, nous, on a le nombre. Le n0, c'est 4. Le nk, c'est 1. Et donc, le 2 à la puissance n, normalement, ça doit être égal à 4. Donc, ceci est égal. Donc, nk de t égale à 10 à la puissance 16. Donc, ce qui donne que 2 à la puissance n égale à 4. Donc, ce 4, se simplifie avec le 4 de n0, vous donne 10 à la puissance 16 pour le nk. C'est-à-dire le n égale à 2. Et par conséquent, le t égale à 2 fois t 1/2. Donc, le t 1/2, c'est 1,5, donc c'est 3 10 à la puissance 9 années. Donc, la bonne réponse ici, c'est C. Pour le deuxième exercice, l'isotope de 123 de francium, Fr, se désintègre principalement en donnant le radium 223. Cependant, une faible proportion donne donc de 4 noyaux pour 1000, donc une faible proportion, 4 noyaux pour 1000,
subissent des intégrations alpha. Donc la désintégration principale ici, c'est celle qui donne le résumé. Donc on étudie au laboratoire l'évolution d'un échantillon de cet isotope dont la masse initiale est égale à 4 mg. Donc au bout de 44 minutes, on constate que l'activité de l'échantillon a été divisée par 4. Donc on va choisir la bonne réponse. Donc vous allez réfléchir un peu à cette question. Donc vous allez faire pause la vidéo et réfléchir. Parmi ces 4 affirmations, quelle est la bonne réponse hein, ici? Donc, on va faire la correction. Donc, pour l'affirmation A, la désintégration principale, donc c'est Fr, 87-223, se transforme en radium. Le radium, c'est Z égale à 88 et 1 égale à 223 pour donner une particule. Donc, la particule ici pour avoir la conservation. Donc c'est moins 1 et 0. Et donc c'est bêta moins et pas le bêta plus. Ça c'est une désintégration bêta moins. Donc c'est là est fausse. Pour l'affirmation B, la désintégration secondaire conduit à la formation d'un noyau d'actinium. Donc l'actinium, voilà, 219. Donc normalement, francium. 7, 8, 223. Donc, ça transforme un noyau plus en donnant l'hélium. Ça, c'est la désintégration secondaire. 2, 4. Donc, pour avoir la conservation, on aura normalement ici 85 et ici 219. Et donc, le noyau qui a le Z égal à 85, donc c'est la stat. Donc ça c'est la stat et pas l'acténium. Et donc cette affirmation est fausse. Pour le C, donc au bout de 44 minutes, il ne reste qu'environ 1 mg de Fr dans l'échantillon. Normalement, ils nous ont dit que au bout de 44 minutes, on constate que l'activité de l'échantillon est divisée par 4. Et donc, si donc vous avez A de T égale à A0 sur 4, c'est équivalent aussi que la masse égale à M0 sur 4. La même chose, N égale à N0 sur 4, etc. Et donc, le M0 égale à 4 mg, donc ceci égale à 1 mg. Et donc, ça c'est correct. Donc, c'est vrai. Donc la bonne réponse ici c'est C. Donc on va vérifier la demi-vie. Bon, donc pour la dernière question. Donc la demi-vie du francium est 11 minutes. Normalement, comme on l'a déjà dit, vous avez 1 à l'instant T égal à A0 sur 2 à la puissance N qui est égal à A0 sur 4. C'est-à-dire que le N égale à 2. Donc T égale à N T1 demi, donc 2 fois T1 demi. Par conséquent, le T1 demi, c'est T divisé par 2. Le T, c'est 44 divisé par 2, donc c'est 22 minutes et pas 11 minutes. Donc le T1 demi du francium, c'est 22 minutes et pas 11 minutes. Donc celle-là est fausse. Exercice 3. L'iode 131 se désintègre spontanément un noyau d'hexénone avec émission d'un électron. Donc sa demi-vie est de 8 jours. Donc on demande la valeur de A et Z. Donc la conservation, donc vous avez l'iode qui va se transformer en hexénone plus en donnant un électron, donc moins 1, 0. Donc le Z ici c'est 54 et le A, c'est 131. Et donc, la bonne réponse ici, c'est CC. Question numéro 2. On considère un échantillon d'iode de masse M0 égale à 1 microgramme
et d'activité à 0 à l'instant t 0 égale à 0 seconde, pris comme origine des temps. Donc cette activité devient A1 à l'instant t1 égale à 24 jours. Donc on donne la masse d'un noyau d'iode et de l'aide calcul. On demande ici le nombre de noyaux radioactifs N0 initialement présents dans cet échantillon. Donc vous allez réfléchir un peu à cette question. Donc vous allez faire pause la vidéo et réfléchir un peu à l'ici. Donc on va faire la correction. Normalement, vous avez M0, la relation M0. Donc puisque vous avez la masse d'un seul noyau, donc c'est N0 fois la masse de I d'un seul noyau. Et donc on peut tirer le N0 qui est égal à M0 divisé par la masse d'un seul noyau. Donc vous avez la masse d'un seul noyau en kilogrammes. Donc le M0 doit être aussi converti en kilogrammes. Donc c'est 10 à la puissance moins 6 grammes fois 10 moins 3 pour la convertir en kilogrammes. Divisé par 2,17 10 à la puissance moins 25. Donc ceci donne donc N0 égale 1 sur 2,17 fois vous avez 19 10 moins 6 fois 10 moins 3 donc c'est 10 moins 9 fois 10 à la puissance 25 donc ça va donner 10 à la puissance 16 égal. Donc le 1 sur 2,17. Donc vous avez ici 2,17 fois 0,46 égale à peu près 1. Donc le 1 sur 2,17 c'est 0,46. Donc 0,46 c'est la puissance 16 et donc qui peut être simplifié par 4,6 10 à la puissance 15. Et donc la bonne réponse ici c'est B. Pour la deuxième question, on demande ici de déterminer l'activité initiale de cet échantillon. Allez-y, donc vous allez faire pause la vidéo et réfléchir un peu à cette question ici. Donc on va faire la correction. Donc normalement, pour le A0, c'est lambda N0 égal. Donc pour le lambda, c'est ln de 2. Sur t n demi fois n0. Et donc, comme application numérique, donc vous avez le ln de 2, donc c'est 0,7, divisé par t n demi, donc vous avez 8 jours, donc 8 fois chaque jour 24. Donc on doit convertir bien sûr le t n demi en seconde, fois 3600. Ceci fois n0 qu'on a déjà déterminé qui est égal à 4,6 10 à la puissance 15. Et donc on va essayer de simplifier ce calcul. Donc si c'est 3600, donc A0 égale donc 7 fois 10 moins 1 fois 46 donc fois 10 donc 46 fois 10 moins 1 donc fois 10 14 divisé par 8 fois le 24 on peut la réécrire 2 fois 12 fois 36 fois 10 à la puissance 2. Donc, on peut simplifier le 2 avec 46, donc reste ici 23, donc ça va rester 7 fois 23, divisé par 8, fois 12, fois 36. Vous avez 10 moins 1, 10 moins 2, 10 moins 3, donc 10 moins 10, 11. Et donc, vous avez l'aide ici, 8 fois 12 fois 36, c'est 3, 4, 5, 6.
Donc ceci est égal. Et on va calculer le 7 fois donc 7, donc 23 fois 7. Donc c'est 21, donc 14, donc 16, donc c'est 100. 61 sur 3, 4, 5, 6. Bien sûr, fois 10 à la puissance 11. Vous avez le deuxième aide, 161 sur 47 égale à peu près 3,456. Donc on peut la réécrire de cette façon. Donc 161 divisé par 3,456 10 3 fois 10 à la puissance 11. On aura donc 161 sur 3 virgule, donc c'est égal à 47, donc c'est 47, fois donc 10 à la puissance 11 divisé par 10 à la puissance 3, donc c'est 10 à la puissance 8. Et donc ceci est égal à 4,7 10 à la puissance 9. Donc la bonne réponse ici, c'est A. Pour la quatrième question, on cherche à déterminer l'activité A1 à l'instant T1. Donc vous allez réfléchir un peu à cette question ici. Donc on va faire la correction. Normalement, à l'instant T égale à T1, donc ce qui est égal à T1. Donc c'est 24 jours, donc c'est 3 fois 8, donc c'est 3 t 1 demi. Donc ceci est équivalent que A1 égale à A0 divisé par 2 à la puissance 3. Donc c'est A0 sur 8. On a déjà déterminé le A0, donc ceci A1 égale donc le A0 donc c'est 4,7 10 à la puissance 9. Et donc c'est 4,7 10 à la puissance 9 divisé par 8 égale l'aide. Vous avez de l'aide calculée ici, donc vous avez 8 fois 0,6 égale à peu près 4,7. Et donc le 4,7 sur 8 c'est 0,6, donc ça c'est 0,6 10 à la puissance 9 qui est égal donc à 6 10 à la puissance 8. Donc la bonne réponse ici c'est C. Exercice 4. Pour dater un morceau de bois ancien, on utilise la méthode de datation au carbone 14 dans le demi-temps ou bien la demi-vie est de l'ordre de 5611 ans. Dans cet échantillon de bois ancien, on mesure en moyenne 10 désintégrations par minute et par gramme de carbone. On estime que chaque gramme de carbone d'un organisme vivant contient 7 10 à la puissance 10 atomes de carbone. Donc vous avez de l'aide, calcul, et vous avez 5 affirmations. On va choisir là où les bonnes réponses. Donc vous allez réfléchir un peu à cette question. Vous allez faire pause la vidéo et réfléchir un peu à l'issue. Donc on va faire la correction. Donc pour l'affirmation A, cet échantillon contient encore 4,2 10 à la puissance 10 noyaux radioactifs par gramme de carbone. Normalement, vous avez l'activité. L'activité, c'est des désintégrations par minute. Donc, on doit la convertir en becquerel. Donc, vous avez le A de T égal à 10. On doit la diviser par 60. Donc, c'est 1 sur 6 becquerel. Ça, c'est l'activité. Et donc, pour le N de T, c'est l'activité divisée par lambda. L'activité, donc, c'est le lambda, donc c'est ln
Donc, lambda c'est ln2 2 sur t1/2, donc ceci donne t1/2 sur ln2 2 fois a de t. Et donc, si on remplace, le t1/2 à peu près 5600 ohms. On doit la convertir bien sûr en secondes, donc fois 355, 65 fois 24 fois 3600 divisé par le ln de 2, donc c'est 0,7, bien sûr, fois a de t qui est égal à 1 sur 6 becquerel. On va essayer de simplifier ce calcul. Donc vous avez ici. Donc on peut l'écrire, c'est 56 fois 10 à la puissance 2 fois vous avez 3600, etc. C'est ce chiffre-là. Donc on va l'écrire sous forme 3,5 15 fois 10 à la puissance 7. Donc vous pouvez ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc c'est 3,15 10 à la puissance 7 divisé par 7, 10 à la puissance moins 1, fois 1 sur 6. Et donc, ceci est égal, 50, donc, 50, donc 56 c'est 8 fois 7, donc fois 3,15 divisé par 7 fois 6. Donc vous avez ici 10, 9 divisé par 10 à la puissance moins 1, donc c'est 10 à la puissance 10. Et donc on va simplifier par 7. Le 6, donc ceci est égal à 2 fois 4 fois 3,15 divisé par 2 fois 3. 10 à la puissance 10. Donc on simplifie par le 2. Donc vous avez 3,15 divisé par 3. Donc ça va donner, c'est 1, 0,1. Donc c'est 0. Et 15, 5. Donc ceci égale à 4 fois. Donc le 3,15 sur 3, 1,0. Pardon. Donc 1,05 10 à la puissance 10 égale. Donc le 4 fois 1,05, donc 1,05 fois 4, donc c'est, pardon, c'est, donc fois 4, donc ça c'est 5, c'est 20, donc c'est 0, plus 2, donc c'est 2. 4. Donc ça c'est 4,2 fois 10 à la puissance 10. Et donc cette affirmation est vraie. Donc c'est correct. Donc cet échantillon contient bien à peu près 4,2 10 à la puissance 10 noyaux radioactifs par gramme de carbone. Pour la deuxième question, ou bien deuxième affirmation, le morceau de bois date de 4000 ans. Normalement, la date pour la datation, la relation c'est t1/2 divisé par ln de 2 fois ln de n0 sur n de t égale. Donc le t1/2 c'est 5600 sur ln de 2, 0,7, fois ln, donc vous avez le n0, c'est 7, 10 à la puissance 10, et le n de t, qu'on a déjà déterminé, c'est 4,2, 10 à la puissance 10, donc c'est 7 sur 4,2, égale, ça c'est 56, 10 à la puissance 2, sur 7, 10 à la puissance moins 1, fois ln de 7, moins ln de 4,2
égale. Donc 50, 6, 6, 7 fois 8, divisé par 100, donc c'est 8. Fois donc 10 moins 2 sur 10 moins 1, donc c'est 10, 3. Fois, donc ln de 7, c'est une donnée, c'est 1,9. Moins le ln de 4,2, c'est à peu près ln de 4. Et ln de 4, c'est 2 fois ln de 2. Donc le ln de 2, c'est 0,7, fois 2, c'est 1,4. Donc ceci est égal à peu près 1, donc 1,9 moins 1,4. Et 1,9 moins 1,4, c'est 0,5, fois 0,8, donc c'est 4, fois 1000, donc c'est 4000 ans. Et donc c'est correct. Donc ça, cette réponse est vraie. Pour l'affirmation C, la quantité moyenne de carbone par kilogramme de matière reste constante au cours du temps, donc pour tout organisme vivant. Bien sûr, cette affirmation elle est correcte. Donc c'est vrai parce que le carbone il est toujours renouvelé lors de le mécanisme de la photosynthèse et la respiration, etc. Donc cette affirmation elle est toujours vraie parce que le carbone il est toujours renouvelé lors de la vie de cet organisme. Donc, pour l'affirmation D, quand le morceau de bois aura atteint le double de son âge actuel, l'activité de ce morceau de bois sera 5 becquerels par gramme. Normalement, à la date, donc à T, donc à T actuel, donc c'est-à-dire l'âge on a trouvé c'est T égale à 4000 ans. Donc on a trouvé que donc l'activité c'est 1 sur 5, 1 sur 6 becquerel. Bien sûr, normalement, au cours du temps, lorsque l'âge augmente, donc bon, l'activité normalement c'est une fonction décroissante. Donc A prime ou bien A de T prime, avec T prime supérieur à T, normalement l'activité sera inférieure à A de T. Et donc n'aura pas une valeur qui est supérieure à 1 sur 6. Et donc cette affirmation elle est fausse. Pour la dernière affirmation, il y a 1200 ans, donc 1200 ans, le morceau de bois contenait 5,6 10 à la puissance 10 noyaux radioactifs par gramme par gramme. Donc il y a 1200 ans, donc l'âge actuel c'est 4000, donc on voit donc le présent c'est 4000 ans. Donc, il y a 1200 ans, c'est-à-dire qu'on va soustraire donc la date exacte, donc T prime égale à 4000 ans, qui est l'âge actuel, moins 1200 ans. Donc, c'est égal à 2800 ans. Comme si vous avez, par exemple, on est à 2021. Et on vous dit que il y a 2 ans, donc il y a 2 ans, elle était une histoire, je sais pas. Donc c'est-à-dire c'est il y a 2 ans, c'est-à-dire en 2019, pour l'année 2019. Donc on va soustraire les 2 ans. La même chose ici, il y a 1200 ans, donc on doit soustraire les 1200 ans de 4000 ans, qui est l'âge actuel. Et donc la date qu'on cherche, c'est ça. Et donc, vous pouvez constater que ce T prime égale à 1 demi T1 demi. Donc, c'est 0,5 fois T1 demi. Le N ici égale à 0,5. Et donc, le N qu'on cherche, le NT prime, égale à toujours N0 sur 2 à la puissance N. Donc, c'est-à-dire, c'est N0 sur racine de 2, ou bien sur 2 à la puissance 0,5, les
qui est racine de 2. Et donc, on approxime. Le n0, c'était 7, donc c'est 7, 10 à la puissance 10. Le racine de 2, c'est à peu près 1,4. Donc, on peut écrire des C7 sur 7 fois 0,2. Ou bien, si vous voulez, 0,7 fois 2, comme vous voulez. Fois 10 à la puissance 10. Donc, on simplifie. 0,2, c'est 1 cinquième, donc c'est 5. 10 à la puissance 10. Donc, et pas 5,6. Donc, cette affirmation est fausse. Voilà, donc c'est la fin de cette deuxième partie. À la prochaine et salam alaikum.